La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'opération. Ça, déjà, c'est une très, très, très bonne nouvelle. Après, comme je vous l'ai dit, on s'est donné la possibilité de se retrouver en réalité la semaine prochaine. Et ça va coïncider que la blessure de Sadio va toucher une semaine, peut-être 10 jours. Et à partir de là, on fera un autre ERM de contrôle pour voir l'évolution de cette blessure-là. J'ai préféré le garder dans le groupe parce que c'est des situations qu'on a déjà connues hein, de gré moins avec Ismaël Assar à la CAN. On a su bien le gérer. Sadio est un joueur à part dans notre effectif. Donc il est important de continuer à suivre sa blessure en espérant en tout cas d'ici 2 semaines ou 3 semaines, il y aura une évolution.